police que la voie l'expliquer monsieur des dossiers, mais qui projet très succinct, un peu de mots, mais qui projet que la travaille sur lui. Et mais qui ça lui projeté en tant que premier ministre, et qu'à conscience avec deux trois questions, l'échange que la fait ensemble avec nous, mais qui n'ont pas oublié ça. Merci encore une fois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, c'est presque ça, c'est pas totalement ça. Moi, j'ai l'habitude de venir ici et c'est une étape pour que moi fais un pile contact à l'époque où moi j'étais dans la campagne, mais qui bon moi un pile d'amis ici et surtout dans la presse, je suis capable de profiter pour remercier tous les amis qui étaient toujours très bienveillants avec moi. Je ne vais pas te faire un pile cadeau comme journaliste, mais il est toujours très bienveillant, toujours recevoir, même le minimum courte durée, et sans problème. Et, il a invité ma radio, mal parler. Et lié ça, m'était toujours kembe à travers les communications que j'ai avec des amis là particulièrement. Je dis hein, que moi, arrivé premier ministre, m'a passé effectivement dans le cadre d'une visite privée, moi te dit, je pas capable de saluer ces amis-là. Tout au moins, quelques de ces amis. Bon, très heureux, moi, en guise de quelques de ces amis, mais nos partenaires de monde important, qui est là, et qui donne, qui vient par un autre format à type de rencontre que nous faire. Rencontre que nous faire, c'est donc un compte échange, qui est autour de. Le verre avec des amis, parler avec des amis. Mais ça va déranger non plus. Le moyen un petit peu caché, un peu plus formel à rencontre-là, qui même t'a même semblé en conférence de presse. Ce n'était pas l'idée. Parce que, d'après, tenu moi, et je n'ai pile les amis là, habillé pour toute l'argent. Nous, comme on dit la caille, il y en a qui tellement habillé là, si du feu prend, il y aurait du feu prend, il n'y a pas besoin de courir. Donc, dans le cas de ça, je suis très content de rencontrer beaucoup plus d'amis et de faire parler. Alors, ça me dit, d'entrer dans le jeu, c'est que qu'on rencontre formelle qui est pour faire avec la communauté. Parce que, on ne parle pas. C'est pas grave. Heureusement, sécurité pas d'un tirisme. Yeah. Donc, ma bien pour me faire une rencontre formelle, pour dire que la presse a formellement invité, mais c'est surtout une rencontre que ma bien fait avec la communauté, donc les représentants de la communauté haïtienne. Parce que moi-même, moi, quoi, il était toujours en bataille pour ça, il y a un témoin là qui est dans ce débat. Moi, toujours inscrit dans le cadre d'un plan d'intégration pour la diaspora haïtienne. Et dans le plan d'intégration, ça, et à côté de tout ça, on dit, même mon plan d'écrit qui est délaissé dans le même débat, et qui est mon agréable, moi, je crois qu'il y a une nécessité, une obligation, une urgence que la communauté haïtienne là, participer dans la gestion de la chose haïtienne de manière formelle. Ça veut dire que ça, ça veut dire aujourd'hui à moi moins quoi et le président Goumé Boussato nous parler sur ça en pile et les quoi là-dedans. Faut haïtien qui a voté dans l'élection parfaite. Moi, soit pas moi, c'est en 2019 que nous avons rejoint le mécanisme pour nous permettre que haïtien voter dans l'élection qui va venir. C'est vrai que ça va demander un pile mise en place. Mais nous pensons qu'il faut nous commencer pour que nous venions en réalité que les Haïtiens votent dans l'élection qui a fait en Haïti. Et les Haïtiens qui ont participé en tant que élu, en tant que candidat dans l'élection qui a fait en Haïti. C'est les premiers gens pour montrer aux Haïtiens qui vivent dans pays étranger, ils ont été accrochés à pays et que le gouvernement reconnaît tout au moins le gouvernement s'habillé. Et tout le monde connaît, je ne vais pas bluffer sur ça.
gouvernance amie, avec aussi l'assentiment et la volonté du président de la République qui nous voulait que la diaspora vote. Mais je ne sais pas ça m'était tellement bien dit, surtout on connaît un peu les journalistes, en général les journalistes très fouineurs, les journalistes très bien connaît, et mon dossier qui choisit, on connaît. Je ne suis pas passer là pour parler de Moussouli, parler de Petro-Caribé. Je m'entendais dans la radio des fois, très souvent. Il y a une émission qui fait tout ça ici. Et l'émission a fait un micro ouvert en Haïti. Mon ici de en pile, le concerné par ce qui a passé dans le cadre de ça. Je dis bon, c'est normal que je vienne parler un peu avec et les Haïtiens qui ont évolué dans la diaspora. Parce que c'est moi qui ai toujours dit. Nous avons des Haïtiens qui sont ici, nous constituons deux banques. Il y a une banque aux ressources humaines, 80% des ressources les mieux formées de la République d'Haïti qui vivent dans le pays étranger, au Canada, aux États-Unis, et en France et dans notre pays. 80% des ressources humaines que nous avons besoin, je dis, pour nous relancer le pays, à vivre en dehors du pays. C'est la banque des ressources humaines. Et gain la banque financière, tout. La banque des ressources financières, qui permet que Haïti survive, parce que c'est mon site qui vaut quoi pour famille, 2 milliards de dollars, et je vous dis peut-être plus, en Haïti chaque année, qui permet que, quelque part, nous, un pays, on va mourir grand goût, qui permet tout, que nous avons planifié. Ou lance économique là, c'est banque financière. Alors on dit, bon paradoxe, nous faisons pile tirage sur banque financière là, on pile cobalé, mais nous pas fait tirage assez sur banque ou sous humaine. Donc ça nous a souhaité, ouais, c'est que nous avons fait tirage, je dis, sur banque ou sous humaine là, parce que Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin de monde qui est compétent, Haïti a besoin de monde qui est crédible, Haïti a besoin de monde qui est capable, et il faut que nous joignions les méthodes et moyens. Pour ne faire que le monde soit revenu, soit comme compétences qui ont évolué dans le domaine et dans l'administration, qui ont évolué au niveau du Parlement, qui ont évolué au niveau de trois pouvoirs, soit aussi comme des investisseurs qui sont capables enfin de prendre confiance dans le pays et qui acceptent de venir investir dans le pays. Ça m'a dit un pile bagage, ça m'a dit que je crois d'abord que nous avons sécurisé comme nous. Ça m'a dit que je crois que nous sommes capables de multiplier comme nous. Ça m'a dit que je crois Haïti a accueilli si bien que il a senti, même gens qui ont investi Costa Rica, même gens qui ont investi Saint-Domingue, il a senti le climat côté que nous capables d'investir. Alors, bataille ça. Donc, j'ai mené en Haïti, j'ai mené bataille ça pour nous capables de permettre que. Diaspora décider le moyen que le gagne à disposition capable de venir investir dans le pays. Pour ça, nous travaillons sur un plan qui bat des privilèges particuliers à moyens qui sont dans la diaspora. Tout cela, je viens faire adresse à la diaspora, je viens avec lui. Le plan ça fin au point. Parce que nous croyons qu'il faut que gagne des incitatifs qui font. Particulièrement la diaspora, c'est une bataille très sensible pour lui. Haïti qui a développé avec toute qualité d'investisseur. Mais quelle fierté nous avons gagné pour investisseur. Et qui est plus important, c'est dans la diaspora haïtienne. Donc, nous devons faire entrer ça, entrer matière ça, et puis peut-être permettre que y ait quelques questions qui prennent. Mais il faut me dire honnêtement, je ne suis pas d'attendre ma belle bataille ça. D'attendre chita à la bonne franquette. Avec des amis, des journalistes, vous connaissez, journalistes pas jamais trois amis, on les aussi d'abord, ils voulaient bien avoir, mais il y a baissé, il faut être dans la zone à galère, pas vrai? Donc, même pas, ça va déranger que nous sommes capables de faire un petit échange. En attendant, pour ne pas faire de bagadis de jaloux, mais de gaffe, autant de me deviner si je rencontre deux ou trois mondes et puis me rencontrer communautaire. Je vais venir ici. Dans le cadre de visite officielle, je vais lancer, je vais rencontrer communautaire et je vais mettre temps pour me parler avec mon Dieu,
mais des temps pour me bailler information sur ce qui passe en Haïti et qui planification qu'a fait pour nous recevoir diaspora. Maintenant, on va quitter le petit temps pour me poser quelques questions. Nous ne pouvons pas passer toute soirée ensemble, c'est certain, parce que nous n'avons pas de monde qui a fait le même quoi, il était prioritaire que les journalistes et les médias nous baillent la primeur et la capacité d'ouvrir avec nous des champs sur ce qui se fait en Haïti, pour qu'on ait sa capacité vraie dans la réalité. Parce que ce n'est pas toujours vrai, c'est le temps de dire ça. Celui que je suis, qui a toujours été franc, nous connaissons, c'est en toute franchise le balai. En général, je dis les rencontres ici, je ne parle pas avec eux, je ne fais pas politique avec eux. Je parle franchement. Je suis prêt, franchement, à répondre à la question que nous avons. Et garder avec nous tout. Tendez, conseil que nous travaillons, parce que nous conseillons très souvent qui manquait. Je ne suis pas un magistère d'Ixit, je ne suis pas venu pour me bailler et pour entendre et puis pour nous fermer des bas. Non, je suis venu pour nous dire tout. Mais comment nous sommes, mais qui est ouais, nous pensons que nous avons fait, mais qui orientation de souhaiter nous prendre, et bien nous avons discuté, peut-être qu'en temps ça, il y a un pile et point que nous avons retenu pour nous capables d'arriver à faire pays à vraiment décoller. J'en ai tout souhaité, parce que nous connaissons. C'est une grande souffrance pour chaque Haïtien qui vit. Pour ouais, tout le pays a sauté. Et puis Haïti, on dirait, campé, a patiné en place. Et Haïti, parlait de coller. Même quand il dit non, Haïti, ça, a côté montré là-dedans, avec la vision du président, sa détermination, sa volonté. Et moi-même, la décision que je prends de bailler pays à ça me qui est important à moi. Consacrer reste vim à pays, pas seulement comme premier ministre, comme premier ministre ou pas, mais je continue le combat pour que Haïti sorte dans sa vie. Hein, parce que c'est ça dans la mémoire. Et puis pour me gagner l'impression même que pays a déroulé et pays a bralé vers la modernité, et il y a pas l'inscrit dans le cadre côté que tout petit qui a mangé, tout petit monde qui a l'école, tout monde qui a gagné espoir. Il y a un bagage, engagement que je prends, c'est un travail que je fais à côté président et ministre pour rebâtir espoir. Et il y a un monde qui te recevoir, déclaration de politique générale. C'est ça qui est le thème principal là, rebâtir l'espoir. C'était capable même slogan, rebâtir l'espoir. Rebâtir l'espoir en prenant les dispositions qu'il faut. Les dispositions qui sont capables, des fois, fait mal. Mais un pays fait pour marcher dans l'ordre de la discipline. Un pays fait pour l'État reprend autorité. Un pays pas qu'à vivre et vivre dans le brigandage. Un pays pas qu'à vivre non plus dans la corruption, qu'à gangréner. Un pays pas qu'à arrêter à vivre dans la contrebande. On paye pas qu'à vivre dans voler comme tout comme l'État. On paye pas qu'à vivre dans des ordres. On paye pas qu'à vivre dans Santa Carrelé. Monde pas respecter monde pas respecter l'État. Dis-le que pays ça vivre dans mon pays et c'est pour ça moi m'entrer dans le combat ça. Et m'a dit c'est difficile mais c'est pas impossible. Et nous avons tracé le chemin. Hein. Malgré tout ça, nous avons malgré tout ça, nous avons senti que le jour a presque levé. Alors, on peut permettre de poser des questions. Bon, pour une séance, c'est Jean-Bé Lervicien pour ACR TV, avec toute station de radio de travail pour lui. Où est-ce que comme premier ministre, vous demandez aux peuples haïtiens pour voir comme politicien. Moi, au bon pouvoir, comme au bon corps, parce que son malade mourir, au bon te parole. Qui j'aime? Qui sont prêts à le faire compte tenu de cette conjoncture difficile que tout le monde a hérité de déficit de crédibilité
déficit de légitimité et long contexte d'effervescence nationale, qui sont prêts à le faire et qui ont pensé ou qui ont sorti la tête haute dans l'histoire par rapport à la conjoncture de la Bible. Merci pour la question, Jean-Bélia. Oui, c'est vrai, nous vivons une conjoncture extrêmement difficile. Conjoncture qui est déterminée par le 6 et 7 juillet. Moment côté que tout le monde dans le pays, et le monde qui est dehors le pays, te font un moment de silence pour te réfléchir. Que l'on donne qui change. Son l'autre Haïti qui est naître. Et le Sahara, nous étions au bord d'une grande catastrophe. Et on a eu peur. Ça t'a arrivé. Mais en même temps, elle m'a dit que c'est une grande opportunité pour le pays. C'est une grande opportunité pour que nous comprenions exactement ce que le pays a subi, ce que le pays a souffert. Et là, tu as un appel qui t'est fait à tout petit pays qui parle de chaos, qui parle de wandadisation, qui parle de chambardement total, qui parle de situation incontrôlable. Donc, à ce moment de l'appel, en pile de difficultés, je prends du temps et puis je me pose peut-être mes questions aujourd'hui. Je t'ai demandé pour me devenir président, pour me dégérer le pays. Je dis à pays a plus besoin que l'homme des candidats. Est-ce que je m'en prête sourd à l'appel? Il me fait, à ce moment-là, abstraction de tout bagage. Puis il me dit, m'a entré. M'a pas entré à l'air pour voir. M'a pas entré à poter. Ça m'a capoté. Pour essayer de résoudre le problème. Parce que, tu peux parler d'un déficit de crédibilité, peut-être pas un déficit de légitimité. Même de gagner un peu de crédibilité qui te fait que, pire monde de quoi, tu es capable de porter à ce moment-là les ressorts nécessaires pour permettre que nous arrivions avec une équipe à rebailler l'espoir. Et c'est pour ça que je dis il faut reconstruire l'espoir. Il faut que nous ayons confiance. Le peuple a perdu confiance. Et le président lui-même a dit le peuple a fait un appel, l'étendait. L'étendait, qui fait orienter le dirigeant dans la recherche au monde qui est capable d'aider. Et moi, je détendais tout. Moi, je détendais en tant que citoyen qui a souffri. Douleur peuple haïtien, moi je prends la paix. Voilà, cadavre là, plus les moribonds, c'est plus les besoins de bons docteurs, les besoins de docteurs, les besoins de bons docteurs. Plus situation mangomé, c'est plus aux besoins des mondes qui sont capables de faire face. En ce sens, je pensais que moi j'ai un devoir, une obligation d'entrer dans le combat. Je ne dis pas que résoudre le problème. Mais je vais mettre tout ça gagné, tout ça gagné comme ressources humaines, tout ça gagné comme capacité pour moi poser le problème et bien poser. Parce que nous avons mis un problème bien posé. Était déjà à moitié résolu. Vous me posez problème et cherchez solution. C'est vous amender tout le monde. Même sénateur, député, le mal prend votre là, me dit, pas juger sur le résultat que je fais, mais juger sur l'effort que je fais. Tout ça me tenter pour me faire le résultat. Voilà pourquoi. Monter dans la bataille, je ne regrette pas monter là-dedans. Situation compliquée. Et plus situation compliquée, plus moi-même compliqué, plus moi-même tout, je pensais que nous avons un devoir et une obligation. Pierre, nous avons une question pour vous sur la paix. On connaît que, à propos de la communauté haïtienne, la presse, et sur la diaspora,
compter sur le gouvernement haïtien, sur la double nationalité. Et nous avons plusieurs gouvernements passés, toujours à bouler, tout ça, je ne sais pas si j'ai une réalité pour la diaspora. Et nous connaissons que candidat à la présidence, nous ne venons pas ici tout. Mais plus souvent, dans la campagne, nous venons ici, nous adressons à la diaspora, à Haïtiens à l'étranger. Et puis, nous voyons que l'oublier nous après ça. Et il y a un pile haïtien tout, qui t'a remis à investir en Haïti, il est arrivé à Haïti, il est viré, il est viré, il est viré, à l'investir ses domaines. Est-ce que le gouvernement Paula, avec le président Jovenel Moïse, qui est capable de travailler sur ça? Parce que nous connaissons le peuple a besoin de travail, le pays a besoin d'aide, mais parfois, tout le monde pas créer du travail pour le peuple, il vient de tout le monde à investir dans le pays, qui va investir dans le pays, qui prend le gain pour nous faire des choses plus faciles pour les Haïtiens qui veulent entrer dans le pays. Ok. Premièrement, je suis toujours clair sur lui. Je ne suis pas pour double nationalité, mais pour multinationalité. Ça veut dire. Haïtien, il était haïtien pour moi à tout moment. Il n'y a pas de nationalité canadienne, il n'y a pas de nationalité américaine, il n'y a pas de nationalité française. Ça, c'est important pour moi, il était haïtien à tout moment. Et c'est pas ça, ça m'a mené le combat pour la plurinationalité. Maintenant, pour ce qui a trait à. Et même pas jamais la guerre, même pas la communauté haïtienne. Pour ce qui a trait à investissement, c'est ça. C'est. Confiance pour nous créer en Haïti. Confiance pour la diaspora. La diaspora aime le pays. Malgré les problèmes de sécurité, malgré tout ça, la diaspora est quand même. Donc, nous-mêmes, le gouvernement, c'est ça, c'est confiance. Et me dit, nous avons travaillé sur un plan spécial, des privilèges très spéciaux pour la diaspora. Et regarder comment nous avons encouragé la diaspora à venir. Et leur venir mieux que l'autre monde qui a bien investi, que la diaspora joigne des incitations que peut-être l'autre monde n'a pas joint. Donc, la prévention incitatif et bientôt, l'homme vini m'a présenté, m'a été fait présentation, l'homme des candidats. Mais je dis à comprendre, c'est moi, c'est mon premier ministre qui a travaillé pour m'atterrir, me faire atterrir la vision de celui qui a gagné les élections. Donc, et tout en mettant du mien, ça m'a metté dans ça. Donc, il faut nous garder comment faire atterrir cette vision à travers le prisme de ça, moi-même, moi, dans tête, moi, et ma capacité de transformer vision en vision partagée par tout le monde. Ouais, très bien. Et PM, c'est Eden Zeba, de tout Haïti. Bon, on m'oublie parce que c'est conseillé. Et je dis, ministre Finance, Ronald Descendre, monsieur, devant Parlement, monsieur expliquait que il y a un déficit budgétaire de 2 milliards de gourdes, de 20 milliards de gourdes. Je dis que mon situation économique catastrophique. Je dis à là, nous à 75 gourdes pour un dollar. Nous avons un budget qui était reconduit devant le Parlement et budget ça a peuple été qualifié de budget criminel. Pour quelle raison? C'est parce que tu as 14% dans le budget SAA qui t'a payé dette Petro-Caribéen. Gagné 17% dans le budget SAA que le Parlement lui-même était consommé. Et gagné près de 12 à 13% que l'exécutif là. Cela veut dire que primature avec le palais national lui-même était consommé. Et tu as gagné. On a 13 ou 14% qui c'est autre intervention publique. Donc, le peuple haïtien pas d'accord budget. Mais je dis, c'est budget ça. C'est sous lui ou même au premier ministre. Nous avons connaître dans le budget qui pourra reconduire, le budget pour le présenter devant le Parlement, qui ça m'a joindre la donne, qui ça m'a joué la donne, qui pourra dire que le premier ministre séant. Eh bien, mon cher, li coupé pont avec budget criminel là et avec pratique que peuple haïtien lui-même, eh bien, il pas d'accord qui te fait le débat là aussi 7 8 juillet. Très bien. Merci. Merci pour la question déjà. Bon, l'impression, je suis antigène. Et oui, je vais totalement ça. Nous qu'à discuter sur lui, mais c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est essence question. Et
Oui, c'est un sous-budget qui reconduit, hein, parce que justement, on est après le 6 juillet, 6-7 juillet. Et ça a pris un temps pour déconstituer le gouvernement. Et en définitive, le gouvernement ça va investir le 17 septembre. Donc, nous avons à peine un mois. À peine un mois, nous venons là. Mais, nous connaissons et nous pas songer, nous croyons spécifiquement dévoyer la déclaration de politique générale en bas qui démontrait l'orientation dans le gouvernement, ça, l'orientation nous prend. Il n'y a pas bien pour louer trop avec le budget qui se passe là. Et dans le budget, ça, on va louer, comme on m'a dit, on va louer trois axes principaux qui partent sur cet axe président. Mais trois axes principaux, on va jouer, c'est l'apaisement social. On va jouer l'apaisement social comme premier axe. On va jouer création d'emplois comme deuxième. Et on va jouer relance de l'économie, relance de l'agriculture. Et c'est ça qui fait ouais, nous avons tardé un petit peu. C'est sous question de notre travail, c'est sous situation de notre travail. Parce que nous croyons situation de misère paysan, kounien, de peuple haïtien, demandé que le budget orienté et grande orientation nous définit comme ça. Donc, nous avons besoin d'une déclaration politique générale hein, et nous prenons toutes mesures pour que le budget reflète ça. Nous avons garanti le débat, nous avons noté ça, nous avons tourné, le budget a sorti. Donc, on va regarder ce département. Certainement. Certainement. Et c'est l'effort qu'on a demandé à tout le monde. Pas seulement dégraisser le Parlement. C'est certain que le Parlement lui-même déjà fait des efforts. Mais au niveau du gouvernement, nous avons de postes budgétaires qui va réduire. Au niveau du gouvernement lui-même, le budget du Palais national, le budget de la primature, ou pas le a bien un dégraissement, mais j'en dis. Hein. Et on parle surtout dans la mesure que nous prenons, côté nous prenons réduit le terrain de vie de l'État. Et ceci a déjà commencé, il y a des mesures qui prennent démontrer avec, de manière plus affirmative que nous réduisons le terrain de vie de l'État. Et ça va permettre que nous dégager des montants qui prennent affecter à d'autres postes, tels la santé, tel le logement l'éducation. Et l'éducation, on va louer ça dans le budget rapidement. On garantit le ça, quoi qu'il même devant le public. Là, oui, justement. Et ma vie budget, non, même parce que je me posé le président une question sur lui, ouais, il était un petit genre. Patinet. Non, même clair. Non, je connais. Oui, non, il n'y a pas de gain. Ok. Je me promets, même budget que j'ai déposé, il n'y a pas de gain avant que le vote. Merci. Bonjour, ministre. C'est Sonny Sauveur pour SNSFM. Question maintenant, les venir parler de corruption, parce que vous avez parlé là de corruption. Corruption était un défi majeur dans le pays, que le gouvernement dans le même c'est un héritage, nous sommes capables de dire, dans le pays. Il y a un pile premier ministre qui est passé dans le pays, ils ont parlé de corruption, mais pas jamais rien en fait. On peut parler en pile. Et non, ils ont mêlé la mobilisation et tout ça. Et qui gens ou t'as aimé pays haïtien songer ou pas chef encore comme citoyen qui va arrêter en deux pays? Et ça, c'est la première question. Et nous allons entrer, nous avons parlé de corruption en deux pays d'Haïti et nous font garder Rwanda. Et ça qui est passé côté dirigeants Rwanda, ils ont déterminé et bien plus capable de lutter contre la corruption après toute histoire. Nous connaissons le pays, ça arrive même. Fait. Exemple, 2008, il y a un premier ministre qui est démissionné, il y a un ministre qui est démissionné, qui est amené dans les affaires du scandale de énergétique en dans le pays. Ils ont obligé de démissionner et pour répondre à une question à la justice. En Haïti, il y a plusieurs ministres, gros chefs, qui mêlent dans les affaires. La justice ne va jamais attendre. Qui gens ont pensé que au bout de la justice, en dans le pays, le nom apprend que majorité monde qui est dans le gouvernement, pas aucun rapport avec eux, c'est pas au même qui l'était. Bon, ça c'est une assertion que m'a démenti aujourd'hui. Hein. Majorité monde qui est dans le gouvernement, c'est pas même météo. Moi-même, je dis, monde qui est dans le gouvernement, c'est des monde qui choisit entre moi-même et le président de la République.
Et dans l'évolution, ça qu'a fait, dans le travail qu'a fait, on a pris nous compte qu'on avait fait le bon choix. Mais c'est pas ça que ça est sans question. Et sans question, c'est la corruption. Mm-hmm. Depuis mon entrée, et c'est Youn dans le point que je regrette, malheureusement, pas venir avec quelques exemplaires de déclaration politique généralement, que je promets non, que je m'appuie pour nous. Je vais vous demander, docteur Alerte, pour le recevoir, les quelques exemplaires que je vais envoyer de déclaration politique généralement. Et je connais rapidement la note et suivre sur la télévision, l'homme d'a fait présentation. Je vais dire clairement, moi, inscrit dans le combat contre la corruption. Et c'est une dans cet axe, président, lui-même, dans le discours de fait pour le présenter à la nation le 7 août, c'est une de bagarre demander le combat contre la corruption, le combat contre la contrebande. Et plus spécifique, de dire il faut que nous fassions pour ces pétos caribé pour tracer exemple pour ne pas jamais en tête, il y a capable de faire la corruption et faire la prévarication, et puis il aurait été impuni. Moi, engagé dans la déclaration de politique généralement, moi, engagé dans chaque déclaration que je fais, dans chaque discours que je fais, et je dis, il est clair pour tout le monde que c'est tout bon, c'est badass à m'amener, parce que je crois que c'est une dans le premier combat. Si nous bien menons, nous parlons de confiance à peuple. Nous parlons de confiance à investisseurs. Nous parlons de confiance à haïtiens qui vivent dans la diaspora. Et c'est confiance à nous besoin pour nous venir investir. C'est confiance à nous besoin pour nous mener plus bien le combat contre l'insécurité. La confiance que le contribuable paye comme lui. Ce n'est pas dans le proche monde qui a dirigé le pays à aller. Mais c'est dans la caisse de l'État qui vous permet que nous répondions à samedi, à faire apaisement social, à mettre l'école dans le pays, à permettre que les gens aient la trine pour aller, que les gens ne soient pas obligés à faire deux ans à l'été pour coller à continuer. À permettre que la production nationale soit capable de faire. À permettre que tout le monde suspende à le trier manger dans la fatra. À permettre que Haïti, son pays, côté. Nous parler de lui, nous pas honte. Nous parler de lui, nous capable fier. Nous avons une belle histoire. Nous détruisons l'histoire parce qu'à travers les gouvernements passés, président Zil, les 10 dernières années, qui quantité l'argent qui passe dans le pays, personne ne va écouter le fait. À travers la gestion qui est faite par la corruption, nous traînons le pays à la misère. Et nous sommes classés parmi les derniers au monde. C'est bataille, ça mène maintenant. Et me dit dans la conférence que je fais hier matin, s'il s'avère que je ne pas qu'à mener une bataille contre la corruption, je ne place pas dans la primature. Et je demande de nous mettre à l'épreuve. Je mène un combat sérieux dans le cadre même du procès Petro-Caribé. Ce n'est pas sans danger, je le sais. Mais je mène un combat. Parce que je montre là-dedans, il faut tracer exemple. Pour éradiquer cette gangrène qui est la corruption, pour nous suspendre mon version de facturation, pour nous suspendre mon comme l'État, pas fait travail que l'engagé pour le faire, pour que l'État a fonctionné selon les règles et les normes de la modernité, même gens, tout l'autre État a fonctionné. Moi, inscrit dans le combat ça. Et chaque acte m'a posé, on autorise de questionner. Et on a dit, est-ce que je fais bon route là? Ou bien est-ce que je suis dans la tradition? Pour annoncer les mesures conservatoires, c'est qui ça va dire? Mesures conservatoires sont capables de toutes sortes. Il n'y a rien de droit et interdiction de départ, il n'y a rien de droit et opposition qui fait sur contre monde. Ça va dépendre. Et c'est ça qu'on dit. Observez ce qu'on fait dans le procès plutôt par exemple. On nous tous met ensemble pour nous l'imposer. On nous tous entrer ensemble dans le combat. Ça. Côté l'agent Petro-Caribé, même la dame tout. C'est hier, moi j'étais dans la rue, on t'a demandé. Je dis, position occupée, pas qu'à faire changer. Au contraire,
lui renforcer la capacité de entrer dans le combat. Oui. Moins dans le combat et m'apprêter là-dedans. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas rien pour faire parce que je suis déterminé. Je ne peux pas prêter. Est-ce qu'il y a un ancien président qui est visé par le conservatoire? Je ne peux pas comprendre qui est qui visé parce que je ne peux pas non plus tout. Fait avoir des questions avec préjugés. C'est pour ça que chaque acte m'a posé, m'a posé un grand monde. L'homme était dehors, je t'attendais. Premier rapport que le Parlement a fait n'est pas bon parce que c'est nègre qui a une ambition politique qui fait. Bon, deuxième rapport qui vient, je pas bon parce que c'est nègre la valasse qui fait. Je vois un rapport à la Cour supérieure des comptes. Je ne vais pas couper les comptes, pas crédit parce que mon ladan qui m'a dans le pays carré. Je vois devant le tribunal, je dis juge là, marié dans le pied de table gouvernement. Je vois devant le commissaire gouvernement, je dis commissaire gouvernement, pas crédit parce que c'est dans le gouvernement. Devant tout ça, je dis, en fin de compte, on cherchait pour nous joindre monde dans la société qui est crédible, qui est capable de garder ce qu'a fait là. Et veiller à travail, moun sa yo, que vous avez confiance en fait. C'est pour ça, moi proposé de faire une commission qui a fait à partir de 10 ans, une série de secteurs. Nous décidé 16 secteurs. Je ne vais jamais dire secteur sa yo, c'est pour faire commission. Mais dit secteur sa yo, c'est eux même qui va chiter ensemble, qui va regarder dans la société à qui moun qui crédible, qui moun qui capable. Et on va choisir Mounsayo. En dehors du gouvernement, et on va faire commission à Mounsayo. Il y a pas de thème de référence. Il y a pas de mission. Et nous, même dans le gouvernement, seul ça n'a pas pour nous faire, c'est un moyen de réaliser, accomplir mission. Lever le bouclier fait. Tout le monde dit, pas dans la commission. Commission pas bon, mais personne ne peut pas j'aime mon argument solide qui explique. Que la commission proposée n'est pas faite et qu'il n'est pas capable d'arriver à trouver non, l'argent plutôt qu'arrêter. Puis il faut me répondre, nous gagnons les structures de la justice. Nous pas qu'à sortir la donne. Et brusquement, je me sentis, tout le monde fait la justice confiance. Je dis, bon, c'est une bonne chose. Si on fait la justice confiance, la justice est capable de faiblesse. Et bien, le gouvernement a répondu à besoin de la justice. Ainsi, m'écris au supérieur des comptes pour me dire écris-moi, réponds-moi qui sort besoin pour capable mener enquête là bien. Me paraît pour me mettre à disposition un film international qui permette que qui gagne habitude dans le service, qui permette que réaliser dans les meilleures conditions. M'écris CSPJ. Me demande CSPJ, dis-moi qui sort besoin. Qui sort besoin pour être juge. Yo. Pour permettre que le juge fait travail dans bonnes conditions. Mais écrit commissaire gouvernement. Je dis commissaire, dis-moi qui sont besoin. Et je commence à vivre l'urgence parce que y a un non-juge qui cite, qui a un dossier dans la main. Pour montrer bonne foi, avant hier, nous avons jugé machine blindée, nous mettons à disposition les policiers, autant nous faire commissaire gouvernement. Et nous prenons dans le gouvernement. Pour nous répondre à tout besoin, entité ça yo, a gagné pour que le procès Petro-Caribe a fait, pour le faire bien et que tout le monde satisfait le résultat. Nous, même dans le gouvernement, nous faisons task force, dans le gouvernement, avec quelques ministres, qui en même temps pral garder dans tout ministère qui a gagné accord. Yo. Et dans l'accord ça yo, le nous garder, pour nous voir qui compagnie qui a fait accord. Yo. Et cela, nous pral faire nous connaître. Qui compagnie te fait quoi yo, qui projet de gain pour faire, nous pouvons regarder projet yo avec des experts, nous pouvons regarder dans projet yo qui pourcentage de projet réalisé, qui quantité comme qui dépensé pour que compagnie yo ban nous explication. Nous pas qu'à démarrer à arrêter monde parce que faut nous chercher qu'on est. On connaît nous même ici dans vivre dans pays côté c'est la règle de droit. C'est la règle de droit. Mais on n'est pas qu'à dire courir à l'arrêter tel, parce qu'on a tête ou supposé tel devant l'école. On a un tel.
Nous allons poser une question sur ça que fait et nous avons joué. Et nous commençons. Nous commençons par poser plusieurs actions. Notamment, après tout samedi nous faisons, je regrette que le docteur Alain Pagien là, je continue le livre là. Non. Mon livre que nous faisons, et je promets que je vais vous peut-être une cinquantaine pour nous dans la diaspora. Côté que nous compilons toutes les résolutions que tu prends dans le Conseil des ministres. Résolution, côté Compé de Caribé à nos caisses, résolution sérieuse, c'est les mêmes qui vous faire des questions. Donc, nous prenons toutes les résolutions qui disent mais qui projette, mais comme écope, mais total. Nous portons 17 résolutions en guise de 14, de tout le monde de Gonaïo. Et c'est à partir de l'IPSA qu'un pile monde qui déjà, ouais. Il n'y a pas de question de 3 800 millions de dollars, c'est 1 milliard 900 millions ou 2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ça qui est objectif. Ouais. Objectif, ouais, c'est faire la vérité blague pour tout le monde. Bientôt, nous voyons pour nous et la sous-site primature. Côté nous parler toute compagnie yo monde qui là dedans combien comme yo gen en qui projet de gen pour faire qui ça yo fait dans projet qui côté arrivé dans projet n'a petite conclusion pour moi je veux faire la vérité sur question ça et vérité ça n'a chercher nous veux chercher la chaque monde qui dans dedans là avec la bonne foi de tout le monde nous pas pouvoir monter nous même nous pas pouvoir monter chaque acte nous poser n'a demandé la presse poser une question. N'a pas répondre à une question et n'a marché tout droit vers un procès équitable qui ne peut pas faire innocent payer pour coupable, mais qui ne peut pas quitter coupable non plus impuni. Bon, vous avez une confiance pour le ministre. Attends. Donc, c'est sous le même dossier. Fofico, bon, vous avez une confiance pour le ministre. Et en dans système, ce n'est pas que c'est pas que en plus, nous n'avons pas d'accord avec la question de la commission. Mais en dans système, nan, même, il y a des gens qui prennent des positions déjà. Tant que vous clamez au Nam Damibs, qui prennent des positions déjà contre la question pour servir le Caribéa. Il y a un major Basile qui est en tête de l'ULCC. En plus, nous avons demandé qui le monde ça y a parlé pour gagner l'autre figure que la population fait confiance. Qui n'a tête institution ça yo et puis leur ça peut-être que des moun a senti que au pied à l'aise pour rentrer dans commission qui pourra voyager sur question Petro Caribe qui le monde dire bien Petro Caribe c'est une espèce qui fait un pile monde dans nos sentiers qui doit être chaos dans pays et obligation contre le gouvernement c'est éviter le chaos éviter le chambardement. Faire la vérité. Pas gain aucun, mais aucune décision que le gouvernement n'a pas prise, ni aucun sacrifice qui n'a pas fait pour que nous répondions à la volonté du peuple haïtien. Mais c'est pour ça que je demande des commissions. Si la commission de l'Union dit changer un tel, changer un tel, si je dis c'est ça. Si la commission de l'Union dit bon, ok, c'est. Et les gens qui ont dirigé l'ULCCA, nous avons besoin de changer. Ben, on a changé l'ULCCA. Et c'est ça, à mon avis, oui. Cette commission de vérité, cette commission qui a gardé ce qu'a fait, cette commission qui a suggéré. Je me dis, demandez, je me dis, qui ça a suggéré? Proposez mon bagage. Proposez mon bagage et n'a pas qui attitude. Pas proposer mon bagage qui fait flou, mon bagage qui peut aller à l'encontre de la gestion de l'État qui m'a fait. Mais proposer mon bagage et proposer publiquement, n'a pas qui attitude. Par exemple, membre de la diaspora. Nobel Kounianan, c'est ça, avec le mot de presse, mais de non. Mais il faut que c'est diaspora qui choisit. C'est pas un monde de diaspora qui choisit. C'est diaspora qui dit, même si nous faisons confiance là, il est dans la commission. Bon, garantie, ma descente avec elle, ma balle, tout encadrement de besoin. Tout le cas fonctionner bien, et là, comme ma commission, la bignon sur l'obligation. Rendre diaspora compte de temps en temps de quitter la. Le premier ministre Jean-Essayam, c'est Jean-Antoine Desrosiers de Haïti. Et nous, il n'y a rien plus qu'au moment, oui. Diaspora, il n'y a rien plus qu'au moment, mais il faut diaspora entendre ce qui monte. Et il faut qu'on ça, son monde que vous reconnaître, que son monde qui est crédible et qui est capable dans la diaspora. On pourrait commencer par là. C'est là où nous parlons. Justement, le premier ministre Jean-Essayam, ma question va être dans le même sens. Il y a quelqu'un qui avait fait ça. Premier ministre, ça fait un peu plaisir. Et bienvenue à New York.
Et Haïti, son pays, quand même, détruit le monde politiquement. Victime de ça. Est-ce que pas d'un rien, même qui était dans la rien pétrogalité, pas d'un rien qui était dit. Pour après 3 ans, pour me battre en deux, premier ministre, séant, t'es dans le pétrocaribé. Est-ce que pas d'un rien qui était dans la source, c'est Paris, et c'est ça qui fait le bonheur. On est pétrocaribé, pas fonctionnel, même genre. Mais c'est pas qu'il y a un droit dans l'autre bagage, vous avez non. Mais garantie, je ne peux pas jamais donner la corruption. Je ne peux jamais donner la corruption parce que je ne peux pas gérer l'argent de l'État pour l'entrer dans la poche. Je ne peux gérer l'argent de l'État pour faire service que l'État a besoin. Je ne peux pas chercher comme Pétro-Caribé. Et comme Pétro-Caribé. Ça finit. Non, mais attends, capable de grimper toujours. Parce que je ne peux pas chercher dans le même monde qui gagne dans le même. Capable grand pile quoi qui va entrer avant pour retrouver. C'est pas moi de la caravane non premier ministre. Avant pour retrouver. Mais on a nous voulons même faire des caravanes. Caravane non c'est une stratégie. Quand les mouillés vont le caravane dans son poste. Na vie sur caravane après. Non ma fini. Quoi perdre virginité ou quelque chose ça. Non pas perdre virginité. Moi je suis là pour la vérité. M'a sur bagage. Seul monde qui va comprendre, seul monde qui va entendre c'est monde qui veut pas je suis. M'a venu pour la vérité. Parce que moi je connais ça. Moi je connais l'échange, moi je connais le débat. Moi je connais le débat. M'a tout mais ça vérité. Et après, vous allez arrêter à l'opinion de caravane. Mais son stratégie, même c'est comme ça me l'île et c'est comme ça moi dans le gouvernement. C'est une stratégie de mise en œuvre, son mécanisme de mise en œuvre. Donc n'a rien à parler de lui, n'a rien à discuter. Deux questions. Oui. Voilà, premier ministre Jean-Essayen, merci du fait que bah, la presse priorité. Que son visite officieuse, comme vous le faites, mais la presse n'oublie pas le monde populaire. Merci quand même de faire que nous placons. C'est Jean-Antoine Odeosé de Haïti première classe. Et m'a posé deux questions pour faire rapidement. Non, au meneur de jeu, mon capitaine d'équipe, besoin d'entourer l'île des joueurs qui loyaux à l'émile. Pour animer de bonnes intentions pour mener politique généraloise à bon port. Maintenant, est-ce que c'est un terrain piégé ça en Haïti? Et vous camisez sur chaque joueur qui fait partie de l'équipe ou pas. Deuxièmement, vous parlez tout à l'heure dans l'introduction de 80% des ressources humaines qui trouvaient dans la diaspora. Et que généralement, vous tirez dans la banque financière là, alors que 80% des ressources humaines, les ressources financières là, vous toujours tirez là-dedans en Haïti, et c'est les ressources humaines là. Il ne va pas tirer de là. Non, il ne va pas tirer assez sur lui, mais il tire sur lui. Vous me faites suite à la question, madame. Ça, maintenant, le gouvernement, vous dit que vous avez des amis dans la diaspora. Et nous connaissons qu'en Haïti, il y a une tendance instinctive des éléments en Haïti qui toujours campé contre des éléments compétents dans la diaspora. Est-ce que, Premier ministre Jean-Essayen, une vision pour vous mettre le pays à sous pied, ou bien intention faire appel à des éléments compétents de la diaspora pour que justement qu'on du pays à bon port. Ok. Ma présidente, d'abord, il y a plus que 50% dans le gouvernement qui est dans la diaspora. Plus que 50%, parce que le monde là, nous t'en dans le département que nous déconnaissons, c'est le monde qui est dans la diaspora, justement. Et nous n'avons aucun problème, au contraire. Même moi, je connais la compétence, et je connais la diaspora, il y a compétence. Mais il ne faut pas faire de la tête de mentir. Puis il faut qu'on passe dans le pouvoir, dans la diaspora, et tout. Il ne faut pas faire de la tête de mentir. Nous avons un pile dans la diaspora, nous estimons nous pas servir assez avec eux. Mais si nous avons regardé les 20 dernières années, puis il faut qu'on qui dirige le pays dans la diaspora, et tout. Il n'y a pas de critique pour la diaspora, parce qu'il y a un monde à nous. Il y a un monde dans la diaspora, nous pensons que nous devons doué à le scénario. Nous manquons à le scénario. Si je mentis, je ne vais pas dire. Gardez bien la boîte. Et c'est une grande tristesse. Lorsque les gars sont dans la diaspora, on connaît ça, ça. Attitude, la discipline, l'évolution. Quand ils vont en Haïti, ils ont un dado, ils ont un papa tout d'un coup, ils ont une tête en bas et ils ont une attitude. Donc, c'est des questions pour nous poser.
C'est des questions pour nous poser. Et je crois qu'il y a un gros travail qu'a fait en diaspora. Mais j'espère que nous continuons à faire. Que me sentir diaspora a bien plus cohésion. A bien plus monde qui va mettre tête ensemble. Bah, et demain, je vais aller pour me faire une intervention de ma amie sur la question de diaspora. NHP. Et moi, je crois que c'est une ressource nous pas qu'a perdu. C'est une ressource nous pas qu'a perdu. Il faut continuer à travailler avec eux. Il faut continuer à puiser dans la diaspora les meilleurs pour nous capables de gérer le pays à mieux. Mais je parle de loyauté de monde qui a fait mille batailles avant. Non, ça c'est la première question. Mais que vous pouvez bâtir. Oui, vous pouvez bâtir, c'est vrai. On capite une équipe, besoin de monde qui. Bon, alors, il faut qu'on ait. Lorsqu'on a une équipe gouvernementale, on ne parle pas forcément qui c'est mon autre, qui est avant, qui l'a ou bien. C'est des gens qui jouent sous compétence et qui avérer que vous ne connaissez rien. Et puis, il faut la dedans, il faut nous dire. Alors, puis, le monde ne connaît pas, il dit que c'est le président qui va être, etc. Je dis non, ce n'est pas vrai. C'est moi au départ qui va présider des listes de 6-7 personnes par poste pour nous garder à travers compétences mondiales et à travers vetting que nous faisons mondiales, tout le monde pour des choses. Je vais toujours dire, permettre de poser des questions, c'est aujourd'hui qu'on a formé une équipe compacte, une équipe solide, un gouvernement qui a fonctionné avec des gens qui en totale cohésion. Et une bonne garantie, jouer des éléments dans l'équipe là qui n'ont pas qu'à comprendre ce qu'on a fait, le travail d'équipe qu'on a fait. Dans le bon sens, il ne va pas être dans le même temps. Il ne va pas être. La dernière question. La question, Mon nom, c'est Pasteur Dumé, c'est leader du Guyane International. Posez une question. Nous savons que la vie humaine ne s'achète pas. J'ai une vidéo qui a couru. Il y a deux jeunes garçons qui sont en diaspora, qui sont entrés à Haïti. Et dans la vidéo, nous regardons nos jeunes, qui ont désenterré en bas terre, et puis ils n'ont pas de tête. Ils ont coupé la tête. Et que ça a réellement intrigué nous. Parce que, étant que leader, nous sommes leaders de la diaspora. Moi, je suis en train qui ça. Le gouvernement a dit, parce que c'est une évidence, parce que nous tous les vidéos, parce que les vidéos pourri. Qui est-ce que le gouvernement promet pour la famille de ça pour nous sortir ici, tu as quitté la famille, famille, ça va prier. Parce que nous t'arrêtons d'aller aller à Haïti, à investir, parce que nous, même pays, nous avons bataille pour le pays. Et que. Il y a un jeune garçon qui sort de Florida. Ça va pas dire. Dans 6 mondes qui empoisonnent. Parce que la vie humaine ne s'achète pas. Nous ne sommes pas capables de ça. Il y a un moment qui a crié, il y a un petit qui a crié, il y a une famille qui a crié. 6 mondes qui ont fait 6 enterrements. Non seul jour. Où est-ce qu'il y a douleur en famille? Et nous savons, est-ce que l'État a aidé? Famille ça aux justice. Tu vois, on a encore eu joint du bon rivage. Des bons chasseurs, mais tu es dernier. Oui, parce que nous, réellement. Nous... C'est même question. C'est même question parce que. C'est même question. Vous voulez à la caille, vous voulez à l'utilité. Mais non, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que vous savez qu'on a joint nos justice? Mais pour crime, ça a aussi soin. Oui, bah, mais c'est pas parce que le diaspora que je viens de mourir. C'est vrai que nous reconnaissons un peu de sécurité et nous travaillons pile dans le gouvernement pour ça. Nous travaillons pile avec la police. Et si et on est. Si nous avons observé, faut nous voir la police a fait un pile effort pour être professionnel. C'est donc que c'est passé là, c'est en preuve comportement professionnel de la police. Et nous travaillons avec la police, bah, les outils que nous manquons pour que le café travaille bien. C'est vrai, nous n'avons pas combler tout le manque, mais nous faisons pile effort. Et je dis à la police, sans pas saltéier il y a 5 ans, il y a 10 ans. Nous avons goûté pour combattre l'insécurité. Mais si c'est sous vidéo, vidéo. Une vidéo qui a circulé.
Vidéo, 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 faut ouais des manifestations qu'on fait en Haïti, ces manifestations qu'on fait depuis 10 ans dans le pays d'Afrique. Vidéo, faut ouais, tête qu'on fait des bagages pour en connaître. Vidéo, faut ouais, on peut vivre en France tandis qu'on vit en Haïti. Donc, vidéo, faut un pile bagage. Même pas qu'à lier, qu'il y a un problème de sécurité, qu'on a combattu, qu'on a travaillé contre lui, et qu'on a fini par résoudre lui. Nous avons des piles quand même bandits que la police met sur eux et nous avons continué de travailler ça. Mais quand la famille monde qui est dans cette situation, ça, en tant que Premier ministre, je ne peux pas jouer un rapport comme ça, je ne peux pas jouer un monde qui vient dire mais ça crive la famille, etc. Donc, et toutes les fois la situation s'est représentée, le gouvernement toujours fait face. Donc, pile en pile en pile monde que le gouvernement ne pas faire publicité pour tout le monde. Le gouvernement prend charge de famille et surtout la situation, ça a été. Donc, on a continué le combat parce que le premier bénéficiaire de la situation, ça, si on arrive à mettre la sécurité dans le pays, ce n'est pas le gouvernement encore parce que c'est là, nous avons un gouvernement qui est capable de vraiment parler et attirer le monde. Et c'est une bagarre de besoin, c'est attirer l'investissement. Attirer l'investissement de tous côtés. Donc, un pays côté insécurité. Et son plein. Donc, la difficile pour que vous les monde pour venir investir. C'est un premier fléau que nous combattons. Et travail ça, l'inscrire encore au débat dans ça, dans l'apaisement social. Là. Parce que dans l'analyse, nous tous, nous connaissons le comportement un citoyen qu'on gagne, c'est le. Il est vraiment arrivé dans un moment, il n'est pas capable encore de gagner des bagages. Nous ne pouvons pas valiser. Là. Mais nous connaissons. Si un pile mon travail, si un pile mon a fait un petit cob chaque mois, là nous gagnons véritablement quantité d'emploi que nous devons mettre dans le pays, nous gagnons moins de monde dans la zone saurée de moins de nos droits. Nous gagnons moins de monde qui a porté la mort car il est famille. Mais nous ne pouvons pas nous mentir. Ce n'est pas parce qu'il y a un développement dans le pays que pas gagner sécurité. Il y a une sécurité de tous côtés. Mais nous-mêmes, nous ne combattons pas nous, à travers les mesures que nous prenons, les mesures à court, moyen et long terme. Nous avons une garantie, nous avons goumé, et en bon tandem, harmonieux avec le président, avec le gouvernement, nous avons goumé pour que nous tous qui là, capables de témoigner qu'il y a des gens qui sont venus. Qui te fait effort, qui remet en l'autre Haïti. Merci un peu. Je suis là. Merci, merci. Même vous mettre bientôt dans le point. On a passé plus de temps.